À toutes et à tous, bienvenue sur ce 35e épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, on cherchait un cadeau pour Lev, aux côtés de Yara. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez m'aider à trouver ce cadeau, parce que là, j'avoue, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru que c'était des petits bâtons de déodorant, mais en fait, non, c'est des repose-verts avec des têtes d'orques. Ma foi, pourquoi pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Une peluche. Ça c'est bien fait. Pour le coup, on dirait une vraie peluche. Enfin, au niveau de la texture, je veux dire. C'est plus pour Alice. Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolé, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah, c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. Trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Happy. On peut être heureux. T'as entendu? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Les Wolf utilisent cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Ok, donc Lev retourne sur l'île des Séraphites. Enfin, du moins, il y est retourné déjà, là. C'est la merde! Je sais pas trop comment on va s'en sortir, parce que là, pour le coup, on se jette dans la gueule. J'allais dire du loup, mais... pas vraiment. Est-ce que t'as quelque chose à me dire sur cette peinture, peut-être? Attends, mais ça se pourrait que ce soit leur... C'est pas leur mère, quand même. Par contre, j'ai que des armes lourdes. J'ai pas de petits fusils ou quoi que ce soit de discret. J'ai que un pompe, un fusil, je sais pas si c'est un fusil d'assaut ou quoi. Mais bon. Ah, attends. Putain, la caméra est beaucoup trop proche ici. Oh.
Mais pourquoi elle a fait ça? Mais moi je pensais qu'elle allait pas sauter en fait. Ah, on repart ici. Attends, mais je me suis dit, ok, ça va faire comme comme dans les épisodes précédents, elle va juste regarder, mais sans jamais sauter au final. Bah par là peut-être. Non? Je sais pas. Oh, c'est trop loin. Ah, donc ça va être à moi de chercher la réponse. Ok. Dans cet ascenseur peut-être. Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Bah tant que t'es pas trop un boulet. Par contre, je sais pas comment elle va recharger son pistolet. Hein. Ça va être la merde. Tu sais, c'est comme quand t'as un archer, tu lui coupes. Je crois que c'est le majeur ou l'index. Hop, il peut plus rien faire. Ou peut-être les deux. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra les petites routes. La censure? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. Oh! Il devrait pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Mais il est trop indulgent avec elle. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Mais ça, elle s'en contrefiche. Mais c'est marrant, tout à l'heure, avant la cinématique avec Owen et tout ça, genre il pleuvait pas du tout. Et on avait quand même le bruit, l'effet sonore, comme s'il y avait de la pluie sur le toit. C'est genre bien fait, mais quand il pleut pas, ça fait bizarre en gros. Alors, kit de soins, ça... Je vais peut-être garder au cas où si mon silencieux ne fait plus l'affaire. Ça peut quand même servir. Ok, il y a plein de trucs que je peux pas ramasser du coup. C'est des explosifs principalement. Bon, on va faire ça. Voilà. Un ici. Tu l'as pris? Ouais, bien joué ça. Encore un. Comment on fait pour aller à la marina? On a qu'à faire le tour. Bah ouais, genre tu penses. Bon bah voilà, on peut plus avancer. On fait demi-tour? Non. On va faire un grand détour de 8 km. C'est par là. 8,5 km là. Bah j'espère qu'elle peut nager. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard. Tu nous fais une monobrasse ou quelque chose comme ça? Ok. On a peut-être quelque chose ici. Non, là-bas ça m'a l'air inaccessible. Quoique il y a ce truc là. Je pense pas qu'ils aient caché des choses vraiment incroyables là-dedans quoi. Là-bas non plus. Bah on va y aller par là. Attends, c'est vraiment inutile de monter ici? Tu peux pas monter. Par contre c'est stylé. Regardez bien. Genre quand elle lève la tête, elle plisse les yeux. Comme nous quand on a de la pluie qui tombe. Littéralement sur nos yeux. Ah bien joué. Petit passage là. Il y a sûrement, je crois voir des choses qui brillent dans ce bateau. Qui n'est pas un bateau au final, c'est juste la remorque d'un camion. Oh! Et ouais, c'est vrai qu'on a le lance-flamme aussi. Mais on est au max. C'est dommage que je puisse pas porter plus de... Bah de... Je sais pas comment on appelle ça. De carburant à lance-flamme. Il doit sûrement y avoir des trucs cachés sous l'eau, hein, mais bon... On n'est pas là pour ça. On peut pas te faire escalader, là? Non?
Comment faire? On va pas grimper sur les tuyaux là-bas quand même. Ah, au pire, on monte avec les racines, mais non, même pas. Abby, par ici. Vas-y, fais voir. Ah ouais, à quel moment je peux deviner que c'est un passage là? Pour moi, c'est une décharge le truc. Attends, je vais essayer. Attends, je m'en occupe. Parce qu'au pire, même un bras de Abby, ça fait deux Yara. Niveau allez, puissance. C'est bon, vas-y. Elle a vérifié si le caméraman pouvait passer aussi. Assez sympa ça. Ok. On peut passer par là. Viens. Attends, je vais prendre l'autre pour voir. Ah, on peut pas. Là, on peut pas ouvrir. Il y aura sûrement un tuyau qui va passer sur la droite là. Ouais, à mon avis, il y a une salle cachée. Je continue toujours de regarder les épisodes d'autres youtubeurs pour voir les endroits que je loupe. Mais au final, je me dis bon. Les bateaux sont de l'autre côté là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Vu que c'est juste des petites ressources, des petits stimulants, etc. Je me dis bon. Tu vois, c'est pas. Yara. Ça doit être encore plus fatigant. À mon avis, ça, il y a des trucs dans le coin. Ouais, donc quand c'est juste des balles, des trucs comme ça là, des petits composants, c'est pas très très grave, tu vois. Mais genre si je loupe une arme, ça fait un petit peu chier. Même un coffre-fort en soi, où il y a plus de ressources. Ok, le chemin a l'air tout tracé. Non, il y a juste un endroit, genre c'était à la salle de sport. Quand on va en direction de l'hôpital avec Lev. Là j'étais en mode, ah sérieux, j'ai pas fouillé cet endroit là. Et pourtant dans ma tête c'était genre, il n'y avait pas d'issue. Et en fait si. Alors. À quoi? Il manque une lettre. Qu'est-ce qui ça veut dire? Anna. Anati House? Qu'est-ce que ça veut dire? Anatid. Anatidu. Anatibu. Anatilu. Anatissu. Ouais. Sois prudente, le bateau de Kent. Le fameux Kent. Et son frère Uki. C'est Kent Uki. Des petits tuyaux. Peut-être pas mal. Du coup, on peut prendre le plastique. Fais pas exploser tout de suite. Garde-en pour plus tard, à mon avis. Ça pourrait nous servir. C'est tout donc. Maintenant, je vais faire encore plus attention aux endroits que je pourrais potentiellement rater. Reste sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Ok, je sais pas pourquoi cette musique est très mystérieuse. Hein. À mon avis, on va se faire embrouiller là. Ok, je faillis pas te voir. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, c'est tentant, hein. Sur un, il m'en reste. En vrai, si on peut s'améliorer l'arme au cac, même si c'est juste
une vieille branche là. Comment on fait déjà? À chaque fois j'oublie cette touche. Ok, fais voir ce qui se passe. Mais c'est le... On dirait juste l'autre côté. Putain, il m'a fait sursauter. Oui, pourquoi t'es là? Manny? T'es venu seul? Ouais. Merde. Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canaux, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canaux. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Ok. Planque-toi! Ouais. Steve a buté toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Je sais pas où il est, du coup. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ah ouais. Qu'est-ce que je peux être conne? Le son est tellement fort dans mes oreilles. Son tir m'a fait sursauter, mais en mode... Merde. Non, je vais pas l'utiliser. Je vais le garder parce que... On sait jamais. En fait, ouais, c'est sa lumière, mais ça m'a fait... Ça m'a trop fait sursauter. Abby! Attends, est-ce qu'il faut que je rampe? Est-ce qu'il faut que je cours? Bon, rien de grave, un tir et c'est fini. Hein. Ouais, j'ai dû baisser le volume dans mes oreilles là, c'était incroyable. Par contre là... attendez. Parce que j'ai un gros doute. Non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais? Merde. Je cherche quelque chose. Mais attends, c'est où? Afficher les commandes. Ok, non. Parce que je me rappelle plus comment on courait dans ce jeu. Bah non, là je pouvais pas faire plus vite. Ok. Et maintenant? Gauche ou droite? Sûrement par là. Hein. Ah donc lui il passe vraiment en plein milieu. Et merde. Ouais, j'avoue. Maintenant. Parce que là il y a juste un abribus, ça va faire léger. Hein. Sûrement en dessous. Mon intuition. Par contre, si on atterrit pile devant lui, là ça va moins être fun. Il était où déjà? Sur le pont, j'imagine. Ok. Si je vais à gauche, c'est sans issue, à mon avis. Moi, je vais rester sous l'eau en vrai. S'il peut pas me voir. Le truc, c'est que j'aimerais bien savoir si quand je ressors, c'est safe ou pas. Tu vois. Hey, par ici! Il est où? Ah, il est là. Ah, mais pourquoi on va pas dans ce bâtiment, genre en sécurité? Ça fait peur, hein. Finalement, non, on peut pas continuer par la rue. Merde. Bon, c'est quoi le plan? Je suis Spider-Man. Bah, le plan, c'est...
Sûrement cet immeuble. Je sais pas. Ah. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Non mais c'est des bonbonnes les trucs. Le chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Putain, il est doué. Oh la vache. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Oh, l'assaut est maintenu. Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Merde. Attends. Si ces intrus sont pas des séraphites, est-ce que ce serait Tommy ou quelqu'un d'autre? Parce que je sais que Tommy, il était hyper chaud au sniper. Enfin, au fusil de sniper. C'est lui qui a appris à Ellie et tout ça. Ah. Peut-être qu'on va revoir Tommy, du coup. Ouais. Et vous avez vu, maintenant, la bouteille du silencieux est plus de la même couleur. C'est stylé, non? Enfin, ça porte rien du tout, ça, pour le coup, mais... Mais c'est bon à savoir. Allez, Qu'est-ce qu'il fout, bordel? Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Pourquoi je resterai pas là, moi, du coup? On aille sur le pont. Ah oui. Parce que du coup, faut que je fasse gaffe à lui et aux infectés. Bon. Pour l'Amérique. En vrai, là, il y a des angles où il peut bien nous avoir. On monte plus? Ben non, évidemment. Naughty Dog, ils aiment pas, hein. Dès que ça tourne trop vite en rond. Par contre, là, j'avoue que le reflet de sa lunette, je le vois en permanence. Ok, bien joué ça. Et il recommence. Quoi? Mais... Oula, oula, oula. Non mais là, c'est trop là. Je suis désolé. C'est trop. Mais vous êtes tellement des ricains, c'est pas possible. En fait, genre, j'étais comme ça. Attends, je vous la refais. J'étais comme ça et j'ai voulu sortir l'arme, mais elle a mis tellement de temps. Je me suis dit, ok, ça va jamais passer. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je deviens? Et un truc qui brille sur son toit de voiture. Ça me tente. Entre chaque tir, il peut pas. Ah si, il peut tirer quand même beaucoup de balles. Hein. Ça, j'ai jamais eu ce type d'arme, cette sorte de lance là. Sur un supplémentaire, kit médical. On va prendre ça. Ouais, vitesse déplacement, tuyau explosif. Bon, on va devoir y aller. Mec, arrêtera pas! Je sais! Un tuyau!
Vous avez vu combien de temps ça met en vrai? Faut qu'on atteigne le pont avant qu'il s'échappe. Alors ok, c'est réaliste, blablabla. Sauf que c'est chiant. C'est hyper chiant en fait le temps qu'elle met pour changer d'arme. Ouais. Ah, il y a un petit peu de ragdoll. C'est rigolo. Il y a beaucoup de ragdoll en fait. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est plus là. J'ai hâte d'avoir ce type en face de moi. On peut être sûr 100%. Oh. Ok, j'ai cru que c'était un manuel pour augmenter des capacités, mais je pense qu'on a quasiment tous les manuels. Ami, par ici. Attends, je fouille. C'est là que je passe à côté d'un truc incroyable. Genre un truc là-bas. Non. Bon. Ah bah ça m'a l'air d'être tôt pour ce parking. Ouais. Il est jamais à sec, hein. Oh merde. Vas-y, je te couvre. Mais tu couvres rien du tout. Tu as mangé une tête, toi? Vas-y. C'est un peu... Il est passé où? Il peut pas être loin. Un peu long, cette phase. Attends, mais on le voit. C'est lui, là? Je suis sûr que non. À terre. Je suis sûr que si, en fait. Et merde. Non, mais ça... Attends. Ça, c'est Tommy, hein. Je me suis rapproché de la télé, j'ai reconnu. Eh, en vrai, Tommy, tu veux pas te faire un petit kiff? Tu fais les deux d'un coup? Hey, est-ce que c'est moi, dedans? Hey, c'est une pizza de la mort! Allez! Surtout, t'arrêtes pas! Merde, attention! Baisse-toi! Non, mais lui, il va beaucoup trop vite. Il va se faire chatouiller les narines. Je suis sûr qu'il y a des trucs à ramasser. Bon, c'est pas grave. Je sais pas où faut aller. Mais je peux lui tirer dessus, moi? Mais ça, c'est mon allié. Mais alors, lui, où est-il? Dans le doute. Ah, il est là. C'est fini pour toi, putain. Contourne-le. Tu le vois? Là. Où? Mais non, mais gros, c'est mort. J'ai pas envie de me prendre une tête et de recommencer toute cette séquence en fait. On lâche rien. Merde. Il est coincé. Va être par là, mon putain. Manny. Ok. Tant pis. On va... Bien stylé tout ça.
Mais on va s'arrêter ici pour ce 35e épisode. Je sais que je coupe en pleine action, mais c'est terrible pour moi aussi parce qu'il faut que j'attende la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si c'est le cas et abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à très très vite, c'est promis. Franchement, j'essaierai de vous mettre la suite relativement rapidement. Hein. C'est promis. Allez, ciao!